Bonjour les loulous, j'espère que vous avez passé un bon mercredi, même si le soleil avait décidé de se cacher. Alors, vous êtes prêts pour travailler ensemble aujourd'hui? Vous êtes bien assis? Oui? Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par faire un petit jeu où il va bien falloir écouter ce que je vous dis, parce que ensuite, je vous poserai une question. Et il faudra tout simplement répondre à la question. D'accord? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je vais vous dire une phrase. Quand Jeanne s'est levée, sa mère lui a dit qu'elle devait mettre son imperméable pour aller à l'école. À votre avis, quel temps fait-il? Ben oui, il pleut. Si on met un imperméable, c'est parce qu'il pleut. Vous avez compris? Alors vous êtes prêts à jouer? Oui, vous êtes bien assis. On ouvre bien, bien grand ses oreilles. Alors c'est parti. Papa pose son livre, remonte sa couverture et éteint la lampe de chevet. Où est papa? Oui, il est dans sa chambre, mais... Où dans sa chambre? Oui, il est dans son lit. Elle s'apprête à dormir. On continue. La maîtresse a demandé à Lucas de venir écrire la date au tableau. À votre avis, où est Lucas? Bien sûr, il est dans la classe. C'est bon? Vous comprenez? On continue? Alors on continue. Monsieur Masson dit à maman qu'il n'a plus de pain. Il a tout vendu. Dites-moi, quel est le métier de Monsieur Masson? Celui qui vend du pain. C'est le... Enfin, celui qui vend, mais surtout qui fabrique le pain. C'est le boulanger. Très bien. Après s'être changé dans le vestiaire, Paul marche le long des bassins et s'avance vers le plongeoir. Mais où est Paul? Oui, Paul est à la piscine. Bravo! J'aime sauter, courir et jouer à la balle, mais je préfère dormir dans ma niche. Qui suis-je? Oh là là, j'entends, j'entends, j'entends. Bravo! Je suis le chien. En sortant, Pierre se tient la mâchoire. Oh, heureusement qu'on lui a fait une piqûre, sinon il aurait eu très très mal. Mais d'où sort Pierre? Il vient d'aller où? Oui, il vient d'aller chez le... Dentiste. Vous savez, le docteur qui soigne les dents. Très important. Faut y aller chez le dentiste. Au moment de payer, maman pousse son caddie et demande à la caissière de lui donner un sac. Mais où est maman? Oui, elle est au magasin, mais quel genre de magasin? Ça s'appelle un super... Marché, bravo! Maman est au supermarché. Céline prend son peigne et ses ciseaux et demande à papa, la même coupe que d'habitude? Papa répond oui, mais quel est le métier de Céline? Céline est coiffeuse. Très bien. Elle descend de son balai, entre dans sa cabane et s'avance vers son chaudron. On ne voit que son nez crochu et sa grosse verrue. Mais qui est ce personnage? Bien sûr, c'est une sorcière. Bravo, vous avez bien travaillé, hein? Ça a été
C'était pas trop dur à trouver? Bon, alors j'essaierai de vous en faire d'autres questions une autre fois. Mais maintenant, nous allons compter. Alors, écoutez-moi bien. Pour compter, vous allez aller chercher une grande feuille de couleur, un gros feutre noir, une paire de ciseaux, et puis vous allez essayer de trouver plein de petites choses pour compter, comme moi, je cherchais dans ma maison et j'ai trouvé plein de petites choses. Vous voulez que je vous les montre? Alors on y va, c'est parti. Alors, pour fabriquer ce jeu qui va nous servir à compter, il va falloir prendre une feuille en couleur, une paire de ciseaux, un feutre noir, et puis vous allez chercher dans la maison tous les petits objets que vous allez pouvoir trouver. Moi, par exemple, j'ai pris des petits Playmobil. J'ai pris des pions. J'ai pris des boutons. Je suis allée dans ma boîte à couture et j'ai pris des boutons. J'ai pris, comment s'appelle ça? Oui, des bougies. Oh, c'est lourd. J'ai pris des espèces de petits ronds plats et là, je suis allée dans la caisse à outils. Mais chut, faut pas le dire, hein. Là, j'ai pris des petits centimes dans mon porte-monnaie. J'ai pris des petites vis. J'ai pris, vous les voyez, des cubes. J'ai pris des petits boulons, pareil, dans la caisse à outils. J'ai pris des pions que j'avais rapportés de l'école. Et ah oui, là aussi, j'ai pris une paille que j'ai coupée en petits morceaux. Voilà, mais après, vous pouvez prendre des Legos, vous pouvez prendre des bouchons de bouteilles en plastique, vous pouvez prendre tout ce que vous trouvez. Voilà. Et quand vous aurez trouvé plein de petites choses, vous pourrez faire le jeu. Alors, pour commencer, eh ben, on va reprendre notre petit travail de pliage. Avant de découper la feuille, on va la plier. Donc déjà, je la prends dans le sens de la largeur. Je la plie en deux. Je vais bien bord à bord et j'appuie bien avec les doigts. Voilà. Quand j'ouvre, vous voyez, j'ai une pliure. Je fais pareil des deux côtés. Et ensuite, nous allons découper et ça va nous servir à faire des bandes sur lesquelles nous allons écrire des nombres. Hop. En fait, on va se faire des petites étiquettes nombres. Voilà. Alors, je prends mes ciseaux, toujours, je tiens la feuille d'un côté et avec l'autre main, je me mets là où il y avait la pliure et je coupe. Et j'essaye d'aller le plus droit possible. Hop, une bande. Deux bandes. Trois bandes et quatre bandes. Voilà. J'ai mes bandes. Et sur les bandes, je vais écrire les nombres. Alors, à chaque fois, je vais écrire pour avoir 5 cases. Donc, je vais écrire 5 nombres. Je vais commencer par le 1. Ensuite, bien, le 2. Après, le 3. Le 4.
le 5. Et je continue. Après 5, c'est quoi? Oui, alors j'écris. 6, après 7, après 8, après 9 et enfin 10. Alors, ça, c'est facile hein, pour les grands. Alors, on va continuer. Après 10, 11. Après 12, ensuite 13, 14, 15, c'est trop facile? Eh ben on continue, allez, après 15, qu'est-ce qu'il y a? 16, 1 et un 6. Après 16, oui, 17, ça s'écrit 1 et un 7. Après 17, 18, ça s'écrit comment? Oui, 1 et un 18 et un 8. Après 18, après 8, c'est quoi? C'est 9. Donc après 18, c'est 19. Ça s'écrit un 1 et un 19 et un 9. Et après le 19, c'est le 20. Alors, nous tous ensemble, on va s'arrêter à 20, mais pour les champions du monde qui savent très très bien compter, vous pouvez continuer encore, refaire des bandes, aller jusqu'à 25, 30, 35, 40, 45, 50, jusque où vous voulez. Ensuite, je reprends mes bandes et je vais couper pour séparer chaque chiffre. Hop. C'est pas compliqué, hein? Je continue, je coupe chaque petite carte. En même temps, ça vous fait travailler le découpage, ça vous muscle les doigts des mains. Pourquoi c'est important de se muscler les doigts des mains? Eh oui, pour bien écrire en attaché. Et surtout, bien tenir le crayon. Alors, tous ensemble, alors les cartes ensuite, on les remet dans l'ordre. Alors, on peut mettre de 1 à 10... ou de 10 à 20, ou de 1 à 20, mais moi, comme ma table, elle n'est pas très large, j'ai décidé, on va essayer de faire des collections d'objets de 5 jusqu'à 15, donc, voilà, je vais garder que ceux dont j'aurai besoin. Mais vous, vous en faites comme vous voulez. Moi, c'est parce que je n'ai pas assez de place. Et ensuite, je mets mes étiquettes dans l'ordre. Alors, je vais commencer à 5, après le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, 11, 11, après 11, c'est quoi déjà? 12, 13, 14, on va redécaler un petit peu. Je vais peut-être couper un petit peu celui-là qui prend beaucoup de place. Voilà. Donc vous, vous pouvez faire toute la salle à manger et en avoir beaucoup plus. Moi, c'est parce que pour que vous puissiez bien voir, je ne peux pas en mettre plus.
Donc vous pouvez faire de 1 à 10, de 10 à 20, aller comme ça jusque 100. Et donc à chaque fois, sous chaque étiquette où le chiffre est écrit, je vais mettre autant de petits objets. Alors je choisis par exemple, allez, sous le 5, je vais mettre 5 Playmobil. Vous les voyez les Playmobil ? J'en ai des petits. J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4 et 5. Sous le 6, je vais mettre 6 bougies. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors les bougies, je les mets comme ça, mais j'aurais pu les mettre, si vous voulez, dans le même sens que les Playmobil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez que les bougies, j'en ai plus que les Playmobil. Mais les Playmobil, comme ils sont plus gros, ça descend plus bas. Donc, il ne faut pas vous fier à la longueur. Ça, c'est fait exprès pour que vous puissiez bien, bien compter. Ensuite, je vais prendre les pailles. Combien je vais en mettre des pailles? 7. Allez, comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je recompte, à chaque fois je pose et je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou alors vous pouvez les disposer pour dire, voilà, j'en mets 3, 4, 5, 6 et une, j'en ai 7. Ensuite, il va falloir que j'en mette combien ici? 8. Allez, je vais mettre des cubes. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, j'en veux combien? 9. Je vais mettre, tiens, des petits boulons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez que les boulons, il y en a plus que les cubes, mais les cubes descendent plus bas parce qu'ils sont, eh oui, plus gros. Donc, une fois que vous les avez posés en les comptant, on les recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh là là, vous allez être champion du comptage après tout ça. Allez, maintenant je vais mettre les boutons. Vous comptez avec moi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y en a 10, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on continue. Je vais mettre des pions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors les pions, on pourrait faire comme les boutons, les mettre les uns en dessous des autres, mais j'ai peur que vous ne voyez pas
la totalité des pions. Allez, 12, on va compter 12 petites pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, j'en ai mis 6 et encore 6, ce qui fait 12. Allez, maintenant je vais mettre des pions. On ne les empile pas les pions, hein. On les met bien les uns à côté et en dessous des autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je continue. 14. Alors, je vais prendre mes gros ronds plats. Je vais les mettre deux par deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et enfin, je vais mettre mes petites vis et je vais en mettre combien? Des petites vis. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et là, vous pouvez aller très très loin comme ça. Alors, on va relire les nombres qui sont écrits sur les petites cartes. C'est quoi là? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, maintenant que vous savez fabriquer ce jeu, eh bien, vous pouvez écrire les chiffres jusque 30, 40, 50 et puis compter à chaque fois plein de petits objets. Alors, la seule chose, c'est qu'à la fin, il faut faire vérifier par un adulte si vous avez bien tout compté. D'accord? Ou alors, vérifier comme ce que je vous ai dit. C'est bon? Mais maintenant, il est l'heure de se poser un petit peu. Parce que aujourd'hui, nous allons lire un album qui est bien sympathique, qui parle d'une grand-mère et d'un loup. Mais que va-t-il se passer? Attention, vous êtes prêts pour la magie? C'est parti! Alors, l'album va donc parler d'un loup et d'une mamie. On va essayer de retrouver quelques mots dans le titre. Ici, là, là et là, c'est un O et un U. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Ça fait le son OU. Avec R de devant, ça fait ROU. Là, c'est L et E. Ça fait LE. Donc, ça fait le mot ROU-LE. Là, c'est le petit mot L-E, le. Et là, c'est le mot à nouveau. Il y a le son O-U, ça fait le son
ou avec L devant, ça fait loup. C'est le mot loup. Le P, on le voit, mais on ne l'entend pas. Rouler le loup. Ah, on l'a déjà rencontré celui-là. Bien, c'est le point d'exclamation. On s'exclame. Rouler le loup. Vous êtes prêts? Allez, on va lire l'histoire. C'est l'histoire d'une petite grand-mère qui est maigre, maigre comme un clou. Un jour, sa fille l'invite à son mariage. La petite grand-mère s'habille et pour pouvoir bien danser, elle met une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe, un jupon, une jupe. Ça fait 7 jupes et jupons. Elle ferme sa porte et s'en va. Bedame, buddy, bedame, buddy, la petite grand-mère est partie. Elle marche, elle marche, elle marche. Soudain, sur le chemin, un loup. Petite grand-mère, je vais te manger. Tu es fou, le loup. Je suis maigre comme un clou. Si tu me manges, tu auras encore faim. Mais je vais au mariage de ma fille. Pendant 3 jours et 3 nuits, je vais boire, je vais manger, et quand je reviendrai, je serai toute ronde et toute rose. Alors, tu pourras me manger et te régaler. Pas bête, la grand-mère. À ton retour, je te mangerai. Bedame, buddy, bedame, buddy, la petite grand-mère est repartie. Elle marche, elle marche, elle marche. Quand elle arrive chez sa fille, la fête a déjà commencé. La petite grand-mère s'en donne à cœur joie. Elle chante, elle danse, elle mange, elle boit. Mais quand la fête est finie, la petite grand-mère dit à sa fille « Il y a un loup sur le chemin, il m'attend pour me manger. » « Ne t'inquiète pas, » répond sa fille, « j'ai ce qu'il faut pour te cacher. » Elle va dans son jardin, cueille une grosse pastèque et la coupe en deux. La petite grand-mère s'installe dans la pastèque. Aussitôt refermée, la pastèque, sous le poids de la petite grand-mère, se met à rouler, rouler, rouler. Roule, roule la pastèque, roule boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque, elle est arrivée devant le loup. Le loup n'est pas content du tout. Pastèque ? Tu n'as pas vu sur ton chemin une grand-mère toute ronde et toute rose? Je n'ai vu personne, le loup, mais je suis très pressée. Alors, tu me manges vite ou tu me laisses passer? Moi, un loup affamé, manger des pépins et de l'eau sucrée, tu me prends pour une chèvre ou quoi? Allez, roule ton chemin, la pastèque. Le loup donne un coup de pied dans la pastèque qui se remet à rouler. Roule, roule la pastèque, roule boule jusqu'au bout. Roule, roule la pastèque, elle a bien roulé le loup. Et la petite grand-mère est arrivée toute contente chez elle avec des pépins partout. Et elle n'a plus jamais entendu parler du loup. Voilà. C'est tout.
Vous avez bien écouté l'histoire? Vous avez bien regardé les illustrations pour vous souvenir de l'histoire? Vous êtes prêt à répondre aux questions? Oui? Alors on y va. Sur le chemin, en allant chez sa fille, la grand-mère rencontre un personnage. Mais qui rencontre la grand-mère? Eh oui, le loup. Oh, mais que veut faire le loup avec la grand-mère? Oh, bah oui, c'est un loup. Il veut la manger. Il la mange? Non. La grand-mère arrive à aller jusque chez sa fille et là, elle danse, elle mange, elle s'amuse. Et puis ensuite, il faut qu'elle revienne. Mais elle sait que le loup l'attend. Alors, dans quoi la grand-mère va-t-elle se cacher pour retourner chez elle? Oui, c'est ça. C'est un gros truc rond. Elle va se cacher dans une pastèque. Et vous vous souvenez pourquoi elle se cache dans une pastèque? Oui, pour ne pas que le loup la mange. Mais pourquoi elle a choisi une pastèque, à votre avis? Bien sûr, parce que le loup n'aime pas les pastèques. Le loup est un carnivore. Il aime manger de la viande. Et dans la pastèque, c'est que du jus, c'est que du sucre et il y a plein de pépins. Enfin, la dernière question. Qui de la grand-mère ou du loup a été plus rusé dans l'histoire, à votre avis? Est-ce que c'était la grand-mère la plus rusée ou alors est-ce que c'était le loup le plus rusé? Vous pensez que c'est le loup? Ah, vous pensez que c'est le loup parce qu'au début, il n'a pas mangé la grand-mère, il l'a laissé grossir pour qu'elle soit encore meilleure. Ah, j'en vois d'autres qui pensent que c'est la grand-mère. Pourquoi vous pensez que c'est la grand-mère? Eh oui, parce que la grand-mère, elle sait que le loup n'aime pas les pastèques. Et donc, elle savait qu'en se cachant dans une pastèque, le loup ne la mangerait pas. Et au départ, quand elle a rencontré le loup pour la première fois, elle a fait croire au loup qu'elle allait grossir et qu'elle serait meilleure. Et le loup, comme il est un petit peu bête, bah il l'a cru. Et voilà. Maintenant, c'est l'heure de nous quitter. Alors, demain, c'est vendredi. Et c'est le 1er mai. Et le 1er mai, c'est la fête du travail. Alors, le 1er mai, on ne travaille pas, mais regardez bien parce que moi, je vous ferai passer de bons moments avec de belles lectures. Et je vous souhaite un bon week-end et on se retrouvera lundi. D'accord? Je vous envoie plein d'énormes bisous.